Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, encore une mise en scène ratée. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, avant que ça commence, notez mes chaussons sur 20. Mes nouveaux chaussons. 18,5. Regardez. Vous donnez combien? 5. 7,5. On a un 5, on a un 7,5. 6. Dans cette vidéo, il y en a qui sont au courant, il y en a qui sont pas au courant de ce qu'on va faire. Par exemple, Pidi, ouais. Juste là. J'ai peur, hein. Il m'a dit, Pete, viens, je suis là. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-nous tout. Ça va être très simple. Venez derrière moi. Parce que moi, j'ai recruté Mathis, mais il cadre même pas parce que j'avais envie qu'il participe à la vidéo. Déjà, les participants, on a Pidi, on a Fabien. T'es qui toi d'ailleurs? T'es qui toi? Non, mais t'es qui? C'est qui ce mec? Monteur qui de la Bouzy TV. Ouais. Oh, oh. Il fête quoi aujourd'hui? Il fête quoi aujourd'hui? Mon appartement. Oh oh ouais, ça va pas mal. Roro, là il y a trois Romains putain. Les Romains c'est vraiment les prénoms de merde. Ouais. On a Roro, qui est qui? T'es qui en fait Roro? Même si on te voit des fois. Le garde du corps. Le garde du corps, le couteau suisse, les inachevés. C'est vrai que toi t'as des pecs mon pote. On a Mathis, t'es qui toi? Gassure. Pour l'instant, surtout CM de la Bouzy TV. Voilà les gars, réseau en description, n'hésite pas à les s'abonner, c'est des nouveaux réseaux. Vince? Vince et Romain, on peut faire le duo. Joueur pro sur Fall Guys et... Pas du tout. Les mecs qui sont bannes sur Twitch. Les gars et les filles, dans cette vidéo, nous allons faire un truc très simple. Le titre, ça va s'appeler Dos Rouge. Ouais. Alors pourquoi Dos Rouge? Est-ce que vous connaissez un petit peu le cul rouge? Ouais. Le jeu au foot où quand tu perds, hop, tu... On te met une grosse patate donc. Bah là, ça va être pareil, mais dans le dos. Ah, je connais la biscotte. La biscotte. Putain. Ça va être très simple. On aura 3 mini-jeux. Fléchette, basket, foot. Chaque perdant de mini-jeux va enlever son t-shirt, va se placer juste ici. Nous, on se mettra à 4-5 mètres et on va l'allumer comme jamais avec un ballon. Comme dirait Denis Brognard, les gars, c'est pas forcément important d'être premier, mais surtout ne pas être dernier, sinon c'est l'île de l'exil avec des fléchettes dans le dos. Le pro Koh Lanta ici, hein, on le repère, on le repère. On est parti pour le jeu numéro 1, les fléchettes. C'est très simple, nous avons la cible juste ici. Au niveau des points en fléchettes, le plus important c'est pas le milieu, c'est le triple 20. Parce que le triple 20 vaut 60, ça vaut 50. On sait très bien qu'entre nous, personne fera triple 20. L'important c'est de viser la cible et de faire le meilleur score possible. Sachant que celui qui n'arrive pas à viser la cible est obligatoirement mis sur la piste pour se faire allumer. Dans l'ordre du plus jeune au plus vieux. Comme ça, ça va permettre aussi aux abonnés de voir un petit peu qui est le plus jeune, qui est le plus vieux. Bah Mathis, c'est un 2000. Hein. Je pense que c'est vite vu. Ouais, ouais. Mathis le 2000. Bouh. Ici. Mathis, okay. Premier lancé, c'est à toi. C'est un 12. Non. Ah, 12 c'est très bien. Non, 12 c'est très bien. Tu te rends pas compte encore que 12 c'est très bien. Donc là, on retient le score à battre, c'est 12. Fabien, t'es né en quelle année? 98. Quel mois? Marqué-tu comme port, salut. Ah ouais, putain, tu t'es tapé ton année de naissance. Ouais, comme je me rappelle plus des fois. T'es né avant ou après la Coupe du Monde? Après, novembre. Ah merde, t'as pas connu du coup. Ouais, vas-y, tant pis. Let's go. Genre, ça aurait changé quelque chose. 9. Ok. Donc là, t'es l'homme à battre. Mathis. Je suis safe. T'es safe. Mathis, t'es safe, ça c'est sûr. Ensuite. C'est toi, non? 97. Ah non, c'est non, non. Toi, t'es né en 72, toi. Avant Jésus-Christ. Pidi, que toi, t'es de 94. Ouais. Mais octobre. De quel mois? Octobre. Yes. Alors que moi, je suis de juillet, les gars. Il faut vraiment que tu vises la cible. Vas-y. Vas-y, on la refait au montage, je coupe. Ouais, 11, c'est bon. Fabien, toujours dernier. Ça fait quoi d'être dernier là? J'ai la haine. Bon, le problème, c'est que le 19, il y a le 7 et le 3 à côté. Ouais, il va faire. Donc, je pense que je vais plutôt aller viser. Ah ouais, je sais pas. C'est 9 le truc à battre? Ça peut enlever la fléchette, ouais, ouais, tu peux ouais. Enlever la fléchette ou quoi? Ouais! Le 19 qui est passé! Yep! On sait très bien que le 19, les gars, c'est mon chiffre favori, celui que je fais tout le temps. T'es né en 88 toi? 88. Ok, c'est parti. Attention. Vince de la chaîne Les Inachevés. 5! Yes! 5! Yes! 5! Yes! Yes! Oh, ça va piquer! Oh, ça va piquer parce que Vince. Ah ouais! À toi. Mais t'es né quand? 87, décembre. Décembre 87. Oh 8. Ça passe. C'est de la merde, mais ça passe. C'est de la merde, c'est de la merde. Mais ça passe. Ok, Roro. T'es né quand, toi? T'es né quand, Roro? 86. Ouais, 86. Allez, Roro. Quel mois? Octobre. Octobre 86. Oh, t'es un scorpion? Balance. Ah. Aïe. Merde. Dommage. Ok, attention, Roro, pour le dernier. 15. C'est bon, ça passe. Mon petit Vince. Tu vas tout de suite déjà enlever ton t-shirt, comme ça on pourra admirer un peu
ta musculature, hein. Wow, ok, bon, il y a plus de poils que de muscles quand même. Bah non, mais quand il dit ça pousse, c'est des poils, les gars. Ok. Donc là, Vin, tu vas devoir te mettre derrière le fond vert, que je vais placer juste ici. Là, juste derrière. Attends. Voilà. Ouais, collé. Mais vraiment, ça va être le repère. Colté, voilà, nickel. Nous, on va se placer à cette hauteur-là. On est hyper loin. On va prendre le portable de Roro comme repère, ça te dérange pas? Non, vas-y, surtout si ça se. Hop, ici. Ok, donc Mathis, tu commences. On va encore refaire du plus jeune au plus vieux pour tirer. Après, on inversera. Let's go. Vous aimez bien, les gars? Ouais, t'inquiète. Allez, Mathis. Oh, allez, voilà, ça commence. Ça commence. Voilà, ça fait quoi, là? Attends, c'est quoi cette marque de bronzage agricole, là? Non mais les gars, non mais tirez les gars, c'est quoi ça? Non mais en fait comme il vient d'arriver, il a peur de se faire exclure. Il m'avait demandé de pas être gentil. Ah, à la base. T'as payé. Il m'a payé. Je vais prendre celle-là, moi. Ah, tu t'en plus avec celle-là? Bah non, mais je vais être gentil quand même. Non, faut pas que tu sois gentil. Après. Ah oui, c'est vrai. Mais ne. C'est bien ça. Ah, là, comment... T'as eu mal ou pas? Par contre, moi, les gars, c'est ça passe ou ça casse, parce que je vais mettre une énorme mine. Ouais, je vais mettre une énorme mine. Deux en deux en bas. Ah, oh la vache! Oh, au niveau des marques, pourquoi il y a des points blancs au milieu? Il y a des points blancs au milieu. Tu vas voir, c'est rouge. Hein, c'est je sens, il y a la chaleur plus loin. Bon, alors là, merde. On va là. Je vise très mal. Je vise fort, mais ici. On dirait qu'il s'est fait piquer, regarde le pauvre. Tu peux te rapprocher, hein. Ah ouais, t'inquiète, je prends l'élan. Ah oui, t'inquiète, tu prends l'élan. Oh, il a sa chance. Il pue la merde. Fini, elle est trop stressée. Elle a mal, elle se met à la place de Vince. T'es ouf. Entre frères, là, les gars, entre frères. Hein. C'est lui qui a visé le plus fort la dernière fois. La fraternité en loin. On est frères, frères de sang. Bon Vince, t'en penses quoi? Je me suis fait éclater. Mais attends, je suis le premier, donc le prochain qui passe, il y aura ma vengeance. Donc là, on a la mienne. Là, on... celle qui ils sont totalement alignés. Mathis, c'est celle du milieu. Là, il y a Mathis. Là, il y a Mathis. Là, il y a Bobo. Là, il y a toi. Et puis dis, et la mienne, pas. Elle est là, attends, faut que je la montre. Évidemment, les gars, c'est bon enfant. Hein. Ne reproduisez pas ça chez vous si vous êtes un petit peu sensible, c'est évident. Hein. Voilà, parce que je sens qu'il y a des gens, ils vont critiquer. Ouais, ça peut faire mal. Hein. On est parti pour la deuxième épreuve, le... basketball. Ok, donc là, on a le panier de basket, très simple. On va se mettre pas trop loin, pas trop près. On va se mettre ici. Téléphone. 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 On peut faire avec ça, regarde. Rinochi. Rinochi. Ok. Du plus vieux au plus jeune maintenant. Tous ceux qui ratent, non, enlèvent leur t-shirt. Non. Comme ça après, ceux qui tirent visent où ils veulent, ils ont moins de chances de ne pas réussir. Tous ceux qui ratent. Tous ceux qui ratent. On fait pas le dernier. Ça fait beaucoup là, non? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il se prend pour qui là? J'ai dit se mentir, j'ai besoin de le voir en image. Allez. Tout ça pour ça! Mais t'inquiète, mais. C'est parti, c'est à toi! C'est du marque qui tire! Oh! Wesh! Par contre, il a touché le plafond! Ouais, ouais, mais ça compte! C'est disqualifié! Non, non, c'est beau! Je crois que c'est 2 points! C'est encore plus beau, les gars, en vrai! Oui! Non, mais les gars! Et je pensais pas que ça allait être aussi. Je me fous de leur gueule, mais moi, ça se trouve, j'ai même pas la mettre! Putain, ce ballon-là, on a pas trop l'habitude, non? J'ai l'impression que je vais putain, mais t'es nul! Pidi. Oui. Oh! Oh, oh mais dommage! Oh non! Oh, Pidi qui va faire partie de la partie! Qui va faire partie de la partie! Ah, pas mal, comme jeu de mots. Let's go! Oh non, mais. Attends. Ah, compte pas. Allez, Mathis! Ouais, on se fait plaisir, parce que lui on se fait plaisir. En plus, ouais. 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 Faut au moins qu'il y en ait un qui cadre quand même! Parce qu'il tire fort, lui. On se fait plaisir, vas-y. Oh du coup, c'est celui qui l'a yes. Mis. Il y en a un qui l'a mis. On était à 2 mètres. Par contre, du coup, il n'y a pas de cadreur, c'est ça qui est con. Parce que. Bon, les gars, c'est parti. 5 tirs pour Oro. On met tous à Walp derrière.
Let's go. Décoller les poumons. On fait le premier ? Ah putain, ouais, c'est Bouzy qui est en plein milieu. Bon, premier, c'est parti. Oh, la vache. C'est horrible de pas savoir que c'est toi. Ah ouais, j'ai serré les fesses. Hein, ouah, ça fait trop mal. La vie de ma mère. Oh la vache. Oh la vache. Eh, si vous voulez, vous changez de place. Ouais. Ok, deuxième. Oh, mais putain, mais c'est pas possible. Putain. Il a quoi avec moi, là? Troisième tir. Normalement, Pidi, elle va se rapprocher, le dernier, elle le voit. Dans le cul. Non, dans la jambe, dans la jambe. Ah, genre. Petite pause, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner, c'est important. Ouais, Pidi. Putain, putain, ah ouais, mais ça, je kiffe. Je suis m'étonne. Ah, c'est pire. J'ai senti partir là-bas, moi. Entre nous. Ah ouais, comment elle a fait pour faire... Dernier tir pour Oro. Aïe aïe aïe, wesh. T'as visé où? Dans le cul. Bon, vas-y, on se rhabille. Le foot, ça va. Ok, on est parti pour la troisième et dernière épreuve, le foot. Comment ça va se passer? C'est très simple, on a un mini but juste ici, qui sera placé du coup par là, ouais, nickel. Non, on va prendre le ballon vert. Where is the green ballon? Le ballon vert juste ici qui va être placé. Téléphone. Repère, ici. Tac. 1, 2, 3, 4, 5 mètres. On est à 5 mètres de la cible. Du plus petit au plus grand. Ah ouais, bah Pidi, vas-y, let's go. Allez, Pidi, tu le mets. Ouais, vas-y. Faut pas forcément tirer fort, hein. Faut vraiment que ça aille dedans. Attends, ça rebondit. Attention. C'est mis. Oh, c'est beau ça. Mathis. Allez Mathis. Oh, elle est dedans. Fabien. Ouais. Tu la mets direct là pour l'appart. Allez Fabien. Pour l'appart. Sinon il y a... Allez Fab. La sortie la paye là sinon. Allez, la mets pas, je t'éclate le dos. Allez Fab, ça dégage. Attends, mais t'es plus petit, t'es plus grand que Fab? Ouais, si. Non, je pense pas. Si, si, regarde. Pareil. Ah ouais, c'est ouais, c'est à peu près kiff. Allez Roro. Il va orienter son chien. Ah mais il est déséquilibré. À gauche. Oh, 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 yes, yes, yes. Je meurs tous les jours, ça. Il bute sa mère. Vince, et après à moi. Après à vous. J'ai ma vengeance. Oh, tout en douceur. C'est beau. C'est la première victoire de Vince, hein. On tient à le noter. On tient à le noter. On met ça. Allez, on revient sur la ligne. Bon, si je la rate, je suis vraiment une merde, parce que tous les jours, je la mets, là. C'est le stress, hein. Ça va monter, là. Tu vas la rater. Oh, merde. Putain, une droite, là. Yes! Ludo, il prend trop de place et il y a des gens qui tirent dessus. Yes! Yeah. Attends, je vais t'allumer, mec. Je vais t'allumer la gueule, toi. Évidemment, les gars, la chaîne de Pidi est en description. La chaîne des Inachevés, pareil. Et c'est tout. Moi, vas-y, allez, je me mets. Tu te mets quand même? Allez. C'est sport. C'est très sport. Donc là clairement, clairement, la cible, elle est ici, les gars. Elle est ici, la cible. Bien elle sûr. Est ici. C'est pas là qui est. Si, si, c'est là, t'inquiète. Non, mais là, c'est un ratable. C'est un ratable. Ça y est, c'est là. Oui, c'est là. Non, c'est pas là. Non, si, si, si. Non, mais t'inquiète, c'est pour Oro, c'est là. Oh la vache, le vent que ça fait. Il a réussi à tirer à côté. Il a vraiment. Il pleut, merde. Comment il a fait? C'est quoi ça? J'ai tout raté dans cette vidéo, j'ai tout raté. Voilà. Bon, ça va, c'était gentil, mais t'inquiète, là. Là, mon pote. Là, je crois qu'il est pas prêt. Oh, ça claque. Oh, putain. Mon mec, je crois qu'il est pas prêt, là. Il va m'aller. Eh, vise bien, hein. T'inquiète, là, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Ça fait hyper mal, hein, on dirait pas. Tout à l'heure, quand il m'a tiré dessus, j'ai commencé à voir flou, hein. Ah la vache.
Ah, il y a une dernière manche après ou pas? Non, c'est terminé. Les gars, c'est la fin de tournage, bordel. Celui de Bouzy, il est pas mal aussi, hein. Ah ouais. Oh là là, punaise. Ah ouais, moi, je te promets, quand tu m'as tiré dessus, dans mon cerveau, j'ai commencé à... Bon les gars, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Merci aussi à tout le monde pour leur participation, ils ont tous accepté avec plaisir. Valouz et Doc n'ont pas répondu et puis ils étaient pas là. À combien de pouces bleus, Roro, on fait une partie 2? Qu'est-ce qui te sent beaucoup, mais sans... Mais ouais, 200 000. 200 000 200 000 pouces bleus les gars. Et on aura Valouz et Doc, sachant que Doc c'est sa pire phobie, les ballons. Ah ouais. Je te promets que les ballons qui lui tapent dessus, c'est sa pire phobie. On va se marrer. Allez, des bisous tout le monde, passez à tous une très bonne soirée, je vous aime très fort. Pierce.